Allez, c'est parti pour ce débat foot Marseille du euh, mardi, oui, comme d'habitude. Euh, alors, euh, actualité un petit peu en, en Berne, on ne va pas se, se mentir. Euh, je ne sais pas, vous pouvez peut-être me dire directement ça dans le chat. Euh, c'est pas long, c'est très international, franchement. Moi, je trouve ça très très long et de plus en plus long. Et de plus en plus récurrent. Sachez qu'il y en a quand même une dans six matchs. C'est-à-dire que là, on va jouer Nice ce week-end. On va regarder un petit peu le calendrier, mais euh, six matchs. Et boum, c'est reparti en novembre pour une nouvelle trame internationale et pour des matchs en bois. On va pas se mentir. Euh, salut à Arbi. Salut Kit. Salut TPR. Salut Taxolo. Oh, Taxolo, ça fait plaisir. Euh, OM Ota et là aussi, il me dit d'ailleurs, c'est insupportable. C'est long. Hâte que ça reprenne, on a tous très hâte TPR. 11 novembre, la galère. <laughs> et oui, c'est ça, Mikey. Euh, si vous voulez bien, on peut commencer par regarder un petit peu le, le calendrier ensemble. Euh, pour voir si, euh, à quoi ça va ressembler. Parce que là, il va y avoir des petits matchs intéressants qui arrivent. Un petit peu de pan pour pouvoir penser un petit peu à l'OM. Et nous projeter sur la suite. Euh, ça va commencer ce week-end avec un déplacement, euh, somme toute, euh, compliqué. Qui va être un match un peu révélateur. De ce que peut nous proposer Gattuso. C'est à Nice, c'est samedi à 21h. Euh, déplacement à Nice sur une équipe qui tourne pas mal, qui fait un très bon début de championnat, qui est plutôt solide avec euh, un, un jeu tactique proposé par Farioli. Donc euh, match quand même assez intéressant. Euh, ensuite, il y a quand même OM Aek jeudi d'après. J'irai Je, au stade, donc rendez-vous pour la fan cam. Euh, suivi d'un OM Lyon le dimanche. Donc, ça, ça va être intéressant, même si Lyon et la cave, euh, ça reste toujours un match, euh, quand même, euh, à sensation. Euh, semaine d'après, OM Lille, jeudi soir, encore une fois, à 21h. Euh, jeudi soir, samedi soir, excusez-moi. Et on repart sur le retour AEK-OM le jeudi, pour terminer par un lance OM euh, sympatoche aussi. Ça sera le dimanche 12 novembre. Et nouvelle trêve internationale. Donc, la suite, on verra une prochaine fois. Dites-moi euh, ce que vous pensez de ce calendrier. Il y a pas mal d'affiches de, avec des, euh, des équipes euh, qui ont raté leur début de saison. Je peux penser à Lyon et, et Lens, Nice qui est, qui est en forme. Donc euh, ça va être vraiment un, un, un passage intéressant. On va, on va voir ce que l'équipe de Gattuso a dans le ventre. Donc ça va être euh, sympa à suivre. Salut Rapace, bienvenue. Euh, Der Rainer Braun, tu dis salut Nico. Trop de coupures internationales. Même si celle-ci, on va l'avouer. Fait du bien pour nos joueurs. Oui. Alors ça permet de travailler un petit peu euh, le physique, même s'il y avait quand même pas mal d'internationaux. Euh, je pense que c'est une trêve qui, euh, qui va faire du bien à certains. Franchement, le fait que Kloss euh, joue avec l'équipe de France, je crois qu'il sera encore titulaire ce soir, même si je ne vais pas regarder le match. Euh, c'est très bien pour lui. Je pense que c'est une belle récompense pour son début de saison. Le fait qu'il ait retrouvé un bon niveau. Ça, c'est du positif. Donc oui, on peut s'accrocher à ce genre de choses. Je suis d'accord euh, avec toi. Euh, TPR. Tu Me dis Nice, il y aura quelques absents. Alors, ça c'est intéressant. Euh, on n'est pas encore rentré complètement dans l'avant-match euh, Nice, euh, mais effectivement, alors de mémoire, euh, c'est Turam qui est suspendu. Si je dis pas de bêtises, euh, mais TPR, si tu peux me donner la liste des absents, ça m'intéresse. Euh, comme ça, je prépare un petit peu dans ma tête l'avant-match que je ferai sûrement. Euh, quel jour on est Mardi, ouais, jeudi, on fera un avant-match. Euh, OM OTA, tu dis. Euh, nice va bien avoir des trous d'air pourquoi pas maintenant complètement puis c'est des trous d'air qu'il faut provoquer c'est euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut provoquer et j'espère que l'homme de Gattuso va secouer un petit peu ce genre de club pour aller chercher des résultats salut Ikikto bienvenue bon après-midi à toi aussi euh, salut à Omafon Ludo euh, trop long, trop long ton, ton pseudo, je vais dire au oh, mafon. Euh... 20h45, Lance, OM, euh, c'est une bonne question. Je ne crois pas que ça soit encore euh, complètement euh, euh, validé, mais si c'est vraiment le dimanche soir, oui, ça sera 20h45 sur, euh, sur nos amis d'Amazon. Euh, Taxolo, tu me dis, on joue notre saison sur un mois et demi je ne sais pas si on joue la saison, on ne peut pas quand même aller jusque-là, mais on va jouer notre lancement de saison. Euh, parce qu'avec les ratés, euh, départ de Marcelino, etc., on est un peu entre deux eaux. Euh, le relancement de la saison, pour se réinstaller tout en haut, ça va se jouer là, effectivement. Et le capital confiance que tu, veux, que tu peux engranger euh, à ce moment-là va être déterminant pour la suite. Tyrell, tu me dis calendrier euh, alléchant. Ouais. Moi aussi, j'ai hâte, hâte de voir ces matchs-là. Euh, Marcilia Barbeau, tu me dis bonjour. Et je te dis aussi bonjour. Euh, merci à CLB1420 qui s'est abonné avec Prime. Bienvenue. Bienvenue dans l'abonnement. C'est ton premier mois, j'imagine, vu que c'est pas précisé. Euh, n'hésitez pas à faire comme lui. Si vous avez un abonnement Prime, venez nous aider. Venez nous donner de la force, comme on dit. Donc, euh, n'hésitez pas. Merci à CLB1420. C'est sympa. À toi. Euh, Spoony, tu dis, euh, c'est là qu'on va voir si on a des coronesses. Enfin, plus que des coronesses, j'ai envie de te dire, c'est là si on va voir si on retrouve du jeu, de la confiance, enfin une animation offensive qu'on n'a pas eu depuis le début de la saison, euh, que des joueurs... Euh, euh, réussissent à trouver leur place dans le collectif parce que c'est un petit peu comme pour moi le, quand même le problème majeur, mais aussi que certains joueurs euh, retrouvent un niveau individuel intéressant, on peut penser à Aubameyang on peut penser à, à Kondogbia qu'on n'a qu pas vu encore cette saison euh, est-ce qu'en défense Balerdi va, va s'installer euh, est-ce que Lodi va revenir, parce qu'il euh, manque depuis un petit moment, il n'est même pas parti avec euh, la sélection au Brésil il euh, y a pas mal de questions, je trouve qu'il y a pas mal de questions par rapport à cette équipe, ça va être intéressant à suivre euh, Rapace du 05, tu me dis, tu, tu as des news sur Maldini. Alors moi, l'info Maldini, euh, on en a, on a entendu parler, euh, je ne suis pas sûr que ça soit plausible, euh, selon les infos qu'on avait, parce que c'est nous qui avons... Le... Ah euh, La Provence avait évoqué euh, la possibilité euh, Benassia sans pour autant dire que c'était vraiment faisable. Nous, on avait sorti l'info comme quoi c'était quasiment fait, quasiment acté. Euh, maintenant il y, a, il y a un problème de statut Par rapport à, à l'ancien joueur euh, C'est ça qui bloque euh, Si euh, l'histoire du statut Peut être réglée facilement C'est tout simplement parce que S'il si est vraiment agent de joueur parce Il a une société d'agent de joueur Mais je ne sais pas s'il a exactement le statut Mais s'il est vraiment agent de joueur Il y a un temps de latence entre le moment où tu quittes euh, Ton statut d'agent pour pouvoir devenir euh, Un dirigeant dans un club Donc euh, c'est ça qui bloque et Si ce n'est pas le cas et qu'il peut le faire Il pourrait être nommé rapidement ça reste le favori, c'est une histoire administrative. Si ça bloque au niveau administratif, je ne sais pas qui pourrait être le plan B. Euh, au fond tu me dis, moi je reste positif pour ces rencontres, je pense à 9 ou 10 points pour l'OM. Alors 9 ou 10 points, est-ce que tu parles euh, parce que là on a, on a parlé quand même sur, euh, sur plusieurs matchs, euh, tu parles en Ligue 1, parce qu'en Ligue 1 on va enchaîner Nice, Lyon, Lille, lance donc il y a 12 points possibles sur ces 4 matchs donc tu dis 9-10 points euh, ouais ça serait bien quand même euh, 9 points je, je signe hein. 10 points ça veut dire 3, 3 victoires à un match nul ça serait ça serait un beau parcours je sais pas si l'OM va être performant direct euh, le match de, de samedi va être intéressant pour ça quitte tu dis je préfère me concentrer sur nous que sur les absents des autres, il y avait des absents à Monaco, mais on a quand même perdu. Alors je suis complètement d'accord avec toi, l'équipe de Monaco était quand même euh, en manque de, de certains joueurs, et pour autant, euh, je pense qu'on s'est un peu torpillé tout seul. Et c'est vrai que le, la, pro, la première chose et le truc le plus important, ça reste, euh, ça reste de retrouver toi un niveau et de ne pas penser à l'autre. Euh, Marcilla Barbeau, tu dis je vais peut-être aller au match contre l'Ajax. Euh, ça sera mon deuxième. Eh bien écoute, n'hésite pas à passer à la fancam si tu peux après le match. Le match de l'Ajax, ça sera plus tard, ça sera fin novembre, je crois. Euh, je ne sais pas encore qui de nous fera la fancam, mais en tout cas, on y sera. Donc n'hésite pas de venir nous passer un petit coucou, ça sera avec plaisir. Euh, Vico, tu dis j'ai beaucoup aimé le documentaire sur Aminarit, un vrai combattant. C'est vrai qu'Aminarit c'est un joueur attachant. Euh, c'est un joueur qui se donne et euh, ouais, c'est euh, un bon mec. C'est un mec qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Euh, qui tu me dis, euh, crois-tu à une qualification en Europa League À quelle position tu nous vois terminer bah, C'est vrai que à la base, quand ça a commencé, on était quand même en plein doute. Euh, pour rappel, euh, euh, notre ami euh, Marcelino venait de partir, euh, Pancho était balancé. Euh, sur, euh, dans le rôle de, de coach comme ça euh, du jour au lendemain, euh, l'équipe avait pas de jeu, euh, c'était compliqué. Maintenant, tu as fait deux matchs nuls, t'aurais dû euh, battre Brighton, pour moi, ça c'est quand même euh, une erreur de ne de, 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 de pas avoir concrétisé euh, et d'avoir gardé ton avance, ton avance sur, sur eux. Euh, Est-ce que l'AEK, qui a fait des bons résultats jusqu'à présent, euh, va faire un peu comme le Sporting la saison dernière, dernière en Ligue des Champions c'est une possibilité. Ça serait bien qu'on tape la EK. Si on arrive à taper la EK, euh, l'OM peut viser la, 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 la première ou la deuxième place. Maintenant, euh, avant cela, il faut que tu retrouves du jeu. Et c'est donc pas longtemps la EK. C'est pas ce jeudi, c'est l'autre. Hein. Euh... Qui tu dis Ouais, non, lu ça. Euh, TPR, tu dis Turam, Atal dans la sauce, éventuellement sanction. Euh... BKBK, oui, il n'est pas au top. Je ne sais pas s'il y a la board qui n'était pas au top dernièrement. Euh, oui, oui, effectivement, c'est des cas particuliers quand même. Turam est suspendu. Euh, Atal, il euh, y a un problème là avec euh, des, des trucs qu'il a retweeté. Où, je sais pas, je suis ça de loin parce que j'avoue que ça me fatigue les réseaux sociaux en ce moment là, quand il y a des choses aussi graves et compliquées. Euh, Bk Bk, bon le pauvre, euh, on va le laisser tranquille. Euh, ouais, bon après je pense pas que ça ait vraiment une méga incidence euh, sur euh, sur le collectif de, de Nice. Spouni, tu dis euh, surtout les bons joueurs à la bonne place. Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que ça, c'est important de, 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 de mettre les bons joueurs en bonne place. D'ailleurs, proposez-moi votre meilleur 11. On oublie les blessés, pas blessés, hors de forme, pas hors de forme. Donnez-moi votre 11 idéal par rapport à l'effectif qui est disponible. Sachant quand même que Gattuso il a l'air quand même parti pour jouer en 4-2-3-1. Euh, globalement, ça peut être un 4-3-3, mais 4-2-3-1, 4-3-3, c'est à peu près pareil quand même. C'est juste une histoire de pointe de, de, de triangle au milieu. Euh, Donnez-moi votre, votre meilleur 11, je vais vous donner le mien. Comme ça, euh, on fait tout ça. Euh, Lopez, euh, au vu des derniers matchs, pour le moment, euh, forcément euh, Klaus et Lodi Mbemba avec Balerdi Alors, c'est pas un truc contre Gigot, parce que je trouve que Gigo a plein de qualités, mais j'ai l'impression que c'est un binôme qui a l'air mieux équilibré. Donc, euh, je testerai bien encore ce binôme pour voir si ça peut prendre. Euh, milieu de terrain j'espère toujours que Kondogbia va retrouver euh, euh, son niveau et je le mettrai euh, avec euh, avec Veretou, Rongier ou Unai là je, euh, ça, je pense que tu peux tourner sur ce poste là euh, Arit euh, ah non parce que là je suis parti sur un 4-3-3 je, je me perds un peu euh, non alors euh, Kondogbia euh, pardon Kondogbia avec Veretout au milieu on va partir là dessus Harry Tandis, euh, Ndiaye à gauche, Sar à droite, Aubameyang en pointe. Je partirai là-dessus pour le moment, par rapport à cet effectif-là. Après, à voir si un Vitinha peut trouver sa place, euh, à voir si Unai peut trouver sa place, mais je partirai là-dessus. Oui, Vico, on espère que le match contre l'AEK va bien se passer. On espère aussi que la ville va prendre des dispositions pour ne pas que ce soit un bordel généralisé comme euh, la dernière fois, face à Brighton, où toute la ville était bloquée, j'en garde un très mauvais souvenir, j'ai passé euh, deux heures dans ma bagnole pour rien, donc oui, on espère que ça va bien se passer dans tous les sens du terme. Ouais, Rapace, après, euh, moi j'ai pas, pas la science infuse, hein. Maldini, ça, ça, je suis d'accord avec toi, c'est la grande classe, hein. ça se trouve, Maldini arrive en sous-marin, et euh, Maldini sera, moi je, je, je n'affirme pas à 100%, des, des échos qu'on a eu, c'est vraiment bien avancé avec euh, Benassia, et Sauf problème euh, administratif, ça doit se faire. Maintenant, euh, euh, c'est comme le mercato des joueurs. Hein. Si t'as un problème, un machin, euh, ça peut vite changer. Après, Maldini, est-ce qu'il est vraiment dans, le, dans la liste C'est possible. D'ailleurs, tu précises, Maldini, Gattuso et Papin, ça a de la gueule. Euh, qui Tu me dis, OM, oh, question, que penses-tu du Cap Pogba et les paris sportifs, faits par les joueurs italiens, Zagnolo, Tonali, Fagioli. Euh, alors, le Cap Pogba, c'est euh, un peu malheureux parce que quand même, ça a été un très bon joueur en équipe de France. Euh, il a montré quelques bons trucs en club, mais il s'est un peu perdu. Euh, J'ai l'impression que cette histoire de, 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 de dopage, c'est euh, malheureusement la conclusion à, un, à, une, à une carrière qui était déjà partie en sucette à cause de ses problèmes euh, familiaux. de euh, parce que c'est ça qui, qui l'a flingué, en fait, j'ai l'impression, euh, avec ses problèmes familiaux de, de gens qui, qui ont essayé de lui, lui, lui soutirer de l'argent. Je pense que malheureusement, sa carrière était déjà à moitié finie. Euh, et ça, ça ne ça va ne faire que clôturer sa carrière. Ça va peut-être faire comme Nasri et terminer en autre boudin avec, euh, avec cette histoire-là. Et pour les joueurs euh, qui parient, ben ouais, c'est un problème. Je ne comprends pas que... Euh, ils le savent maintenant les joueurs, qu que, que c'est dangereux de faire ça. Alors, euh, ouais, j'ai du mal à comprendre. Euh, Omota, tu fais ton petit 11. Lopez, Klos, Mbemba, Gigo, condogbia. Toi, tu fais une défense, euh, tu mets pas de latéral gauche. Condogbia, euh, Veretout, Arit, Sar, Oba, Ndiaye. On est plutôt d'accord. Tu as oublié le latéral gauche, je pense que tu aurais mis Il euh, y a juste, toi, tu mets plutôt Gigo que Balerdi. Moi, j'aimerais bien tester Balerdi un peu plus. Euh, Gigo serait blessé, oui, il était blessé à une cote Gigo. Je ne suis pas sûr qu'il soit disponible pour Nice. Donc à voir s'il sera disponible pour euh, l'AOK. Assure. Euh... Oui, il manque Lodi, je pense. Lopo Dodo, toi, tu proposes Blanco. Moi, franchement, Blanco, je ne suis pas sûr que ce soit meilleur que Paul Lopez. Il a eu un trou, Lopo Lopez. Je trouve qu'il a bien réagi sur les deux derniers matchs. Un peu comme le collectif de l'équipe, d'ailleurs. Euh, Kloss, Mbemba, Balerdi, Lodi... Euh, Veretu, Strot, Strotman, la blague. Euh, C'est qui que t'appelles Strotman, C'est Kondogbia <laughs> Arit, Ndi, Correa. Oh putain, tu mets encore Correa. Putain, Correa, les gars, faut être motivé pour le mettre pour l'instant. Euh, passion Mayo, passion Mayo, tu dis euh, Lopez, Klos, Mbemba, Gigolodi, Lodi, Rongé, Kondogbia, Sar, Arit, Ndi, Oba. Franchement, il y a beaucoup de points communs hein, sur tout ça. Hein. On, ça diverge un peu sur euh, sur Gigo pas Gigo ou, ou sur Rongier ou vous verrez tout. Euh, Rapace toi tu mets Clos euh, pardon Lopez Kloss, Balerdi Gigo à Mbemba oula, Rongier Condogbia, Harit Lodi Ndiaye Aubameyang. Voilà, ça veut dire que tu fais une défense à 5 avec Condogbia, Rongier au milieu avec Harit et Ndiaye Aubameyang devant. OK. Merci à Tizi Tiziouzou euh, pour son prime, septième mois d'abonnement, bientôt la famille, Youzou, merci à toi. Et tu me dis salut Nico, quel poste aimerais-tu renforcer au mercato d'hiver euh, Je pense qu'il faut encore un peu attendre, mais euh, en prévision de la canne, il faudra peut-être euh, un poste offensif. Et euh, toujours l'histoire du défenseur, est-ce qu'il ne faut pas un défenseur central un peu plus de... Euh, de de Plus haut niveau, c'est une question qu'on peut se poser. Sinon, je pense qu'on va être pas mal au milieu avec le retour de Gay euh, fin novembre. Ça peut, ça peut avoir une possibilité de plus. Je pense que l'effectif sera bien équilibré. Peut-être qu'il manque un, un offensif gauche. C'est peut-être surtout si Correa n'arrive euh, pas, euh, pas à trouver euh, son jeu, quoi. Même si euh, Massilia Barbeau, tu dis. Euh, Correa avant-dernier match, c'était intéressant. Il peut faire des choses. On sait qu'il a de la technique, ce joueur. Maintenant, il faut qu il... vraiment qu'il se bouge. Quoi. Euh, Vico, toi, tu dis Paul Lopez doit reprendre confiance. Je pense que Gattuso peut lui apporter ça complètement. Puis je pense que Paul Lopez, même si c'est particulier le poste de gardien, euh, il a besoin d'un collectif fort. Il a besoin que le collectif marche, y compris la défense qui était un peu à la ramasse. Donc, euh, oui, c'est important. Hmm, L'attaque, défense à 5. Nice va vouloir nous enfoncer, je pense. Oui, bah, ils peuvent vouloir. Après, vouloir et pouvoir, pas la même chose. Euh, Nvidia, salut à toi. Euh, pourquoi vouloir mettre Kondogbia titulaire Il n'a encore rien montré. J'espère que Karik, Karit, qu pardon, va nous porter cette année et que personne ne va le briser physiquement. Kondogbia, bah, euh, c'est vrai. Euh, si on juge uniquement sur ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas sa place de titulaire. Maintenant, c'est un joueur qui a été déjà blessé deux fois. Euh, il a besoin de trouver un rythme physique. Et on espère qu'une fois qu'il aura retrouvé son rythme physique, ça va devenir un mec important au milieu. Je pense que pour les gros matchs et pour la, la Coupe d'Europe, c'est important d'avoir un joueur avec ce volume euh, physique au milieu de terrain. Tu le vois sur les gros matchs, le duo rongé, vert et tout, c'est compliqué pour eux, ils souffrent. Euh, donc euh, je, je compte sur lui. Maintenant, c'est vrai que si on juge sur ce qu'il a montré depuis qu'il est arrivé, oui, il n'est pas au niveau. Maintenant, euh, on attend beaucoup plus de lui. Le TPR, tu dis Lopez, Kloss, Mbemba, Balerdi, Lodi, euh, Veretou Rongier, Harit, Sar, Aubameyang, Ndiaye. Avec changement de poste entre les deux devant Sarandier. Euh... Ouais, voilà, c'est juste, le, comme je disais, le duo vert et tout rongé. Je pense qu'en Ligue 1 sur plein match, ça passe. Mais dès que le niveau va être un peu plus élevé, tu souffres physiquement parce qu'ils se, se font rentrer un peu dedans et ça manque un peu de vitesse. Euh, donc euh, j'attends qu'on doc bien sur ce genre de, de poste. Euh, Nvidia, tu dis ok, mais pour l'instant, il n'a ni le physique ni le volume. Pour le moment, c'est plus judicieux de le faire rentrer plutôt que titulaire. Pour l'instant, après, il faut voir à l'entraînement ce qu'il a donné. Je crois qu'il est revenu là, donc euh, je pense qu'il a pu faire 15 jours à bloc. Il va être, euh, il va être devrait être prêt. Euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, euh, il n'a pas, pas montré tout ça, mais c'est ce qu'on attend de lui. Tu mets beaucoup d'argent en salaire sur lui. Ça doit être un des joueurs très importants dans l'effectif. Kit, euh, tu me dis, euh, devrions-nous quand même chercher un autre meneur de jeu Harit et Ounaï feront la canne. Ils ne reviendront pas à 100%, je pense. Je pense que ça dépend euh, le, pour le parcours du, du Maroc, mais euh, effectivement, tu vas plus avoir de joueurs un peu organisateurs euh, et techniques euh, comme eux. C'est les deux... vraiment les deux seuls quotas dans l'effectif. Euh, est-ce que tu peux euh, recruter un joueur à ce poste là euh, au, mois de, au mois de janvier ça paraît aussi compliqué mais oui c'est une bonne remarque c'est une remarque intelligente mais euh, je peux te rajouter à cette remarque là euh, que tu vas perdre aussi Ndiaye et Sar, qui sont deux joueurs importants sur les côtés et que tu vas te retrouver euh, avec Correa et, euh, et Mugue sur les côtés Mugue et non encore je dis des bêtises puisque Mugue normalement il va, être, euh, il va être sélectionné avec le Cameroun donc il va te rester plus que Correa ça fait un peu léger aussi. Hein. Même si Harit peut jouer sur un côté. Euh, il va falloir, euh, je pense, qu'un joueur un peu polyvalent euh, au poste de milieu offensif, que ce soit axial ou sur les côtés. C'est peut-être ça, le profil idéal. Vico, tu dis... Euh, J'espère que la trêve aura permis de travailler euh, le physique. Pour les non-internationaux, j'attends un Kondogbia plus combatif et un élan de supériorité physique sur les matchs. On espère aussi, euh, des, les internationaux, il y avait quand même Ounaï Harit qui n'était pas là, euh, Mbemba, je crois qu'il a fait un match, il y a le petit Soglo qui a fait un match, euh, qui fait un match avec les, les U19 je crois anglais, euh, tu as les Sénégalais aussi, Sarr et, euh, et Ndiaye, après ça veut dire qu'il te reste du monde quand même, tu avais déjà, euh, mis à part Mbemba, tu avais toute ta défense. Euh, bon, mais, And by close, la moitié de ta défense. Euh, Lodi, je crois qu'il a il, a, il a repris, je suis pas sûr, mais à voir s'il a repris. Il y a un entraînement ce soir. C'est d'ailleurs à souligner, il y a un entraînement complet ce soir qui est ouvert à la presse. Euh, notre ami Ryan sera sur place, donc vous pourrez avoir un petit résumé sur notre chaîne YouTube. Mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas pu avoir accès à un entraînement complet. Je, je pense que c'est un, on demandera, hein, mais. Je dirais comme ça que c'est quand même du fait de, de Gatouzo. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon état d'esprit. Je tenais à le signaler. On verra, on demandera qui a, qui a, qui a voulu ça, mais je pense que c'est Gatouzo. Et c'est bien, c'est bien de vouloir montrer comment on travaille, etc. Je trouve que c'est ouvert. Et il faut arrêter de vouloir tout fermer dans le football. Il n'y a pas de secret. Ils ne vont, ils vont pas faire le, tout le système tactique qu'ils vont mettre en place face à Nice, là, devant, le, devant la presse. Donc tu peux montrer comment tu travailles. Euh, par contre, j'ai tellement peur pour Harit, il se fait tellement charger à chaque fois. Eh oui, c'est le jeu. Après, euh, je pense que euh, les blessures, c'est comme ça. Euh, nous, on a peur. L'essentiel, c'est que lui, il n'ait pas peur. Euh, S'il n'y pense pas et qu'il qu joue comme il a toujours joué, en s'engageant comme il le fait, c'est une, une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a plus d'appréhension du tout et qu'il ne pense pas à une autre possible blessure. Euh, c'est important et c'est surtout ça qui compte que nous, on ait peur. Bon, c'est pas très grave. Donc, lui, il n'a pas peur. TPR, tu dis euh, que ça serait, ça serait sain, bénéfique d'installer une concurrence saine pour éviter qu'un des joueurs se sente trop à l'aise, qu'il y ait des ambitions, que le joueur ne s'installe pas dans son fauteuil. Alors ça c'est intéressant ce que tu dis et j'ai envie de te demander TPR, mais quand tu dis ça tu penses à qui euh, Bon, il y a Lopez qui est installé dans un fauteuil, mais euh, c'est un poste particulier. Je ne suis pas sûr que ce soit un poste qui rentre complètement dans ce que tu dis. Et euh, maintenant, il euh, y a d'autres joueurs qui sont un peu installés. Kloss est installé. Lodi, si ne n'était pas blessé, est installé. Il y a une petite rotation en défense centrale, mais j'ai l'impression qu'Ambamba est installé. Euh, au milieu de terrain, il y a les blessures, mais Veretu semble être un titulaire. Harit euh, est en train de s'imposer comme un titulaire. Aubameyang est installé euh, pour le reste. C'est pas installé, Kondogbia c'est pas encore installé parce qu'il a été blessé. Euh, oui, ça c'est euh, intéressant. Qui tu dis Les jeunes qui s'entraînent avec les pros ou bien les minots qui ont fait leur entrée face au Havre, un bon espoir pour l'avenir. Ouais, moi je trouve que c'était euh, un message euh, euh, important de Gattuso de, de faire entrer les jeunes, même si c'était pour quelques minutes, c'est le 89ème, donc c'était une minute de temps réglementaire plus les arrêts de jeu. C'est bien, ça veut dire, euh, vous êtes là, je compte sur vous, 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 êtes, vous pouvez être amené à rentrer, tu mènes 3-0, c'est bien de le faire, c'est bien, c'est un bon message. Maintenant, euh, à voir ceux qui peuvent se révéler, ceux qui, ceux, ceux, ceux qui peuvent avoir du temps de jeu. On a vu par exemple le petit Muguet qui avait été lancé par Marcelino, euh, plutôt sympa sur son premier match beaucoup de fraîcheur, beaucoup de d'initiative. Alors oui, on voit ses limites. Il est un peu brouillon techniquement. Euh, il maîtrise pas tout ce qu'il fait. Mais il avait apporté cette fraîcheur, cette envie et surtout ce, ce, ce côté provocateur qui était intéressant. On l'avait trouvé beaucoup moins bon la dernière fois qu'il a joué où il avait, il avait pris aucune initiative. Euh, il avait perdu beaucoup de ballons parce qu'il était attentiste. Euh, moi, je, je vais toujours pardonner à un joueur de stage là. Euh, qui essaie de, de faire sa place, de tenter des choses et de les rater, mais ne pas tenter et perdre les ballons, ça c'est plus difficile. Donc à lui de retrouver cette fraîcheur aussi. Le petit Soglo n'avait euh, pas été mauvais, c'est bien qu'il euh, qu retrouve un peu de temps de jeu. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes sur le côté gauche. Euh, maintenant voilà, euh, il y a d'autres jeunes qui pointent le bout de leur nez. On va voir s'ils auront que des bribes de match ou euh, vraiment un jour ils pourront euh, jouer davantage euh, en Coupe de France notamment. Euh, à voir. Avec la canne aussi. Nvidia, tu dis, Vitinha euh, est-il parti en sélection de jeunes durant cette trêve internationale A priori, non. Il n'était pas dans la liste des, des internationaux. Je ne suis pas sûr qu'il y avait des matchs euh, avec les jeunes portugais, mais euh, a priori, non. Kit, euh, tu me dis, euh, Cannes 2024, le Maroc, même groupe que la RDC, Unai Harit versus Mbemba. Oui, ça va être à suivre. D'ailleurs, on va sûrement vous. Euh, proposer des, euh, des émissions spéciales sur la Cannes euh, en janvier prochain on y travaille on a commencé à en parler justement on a, on a fait une réunion juste avant ce live euh, avec ben et Ryan on va essayer de suivre euh, effectivement quelques matchs les matchs avec, euh, avec euh, le Sénégal et le Maroc c'est sûr est ce qu'on fera plus que ces deux, ces deux nations on verra mais ces deux nations là oui on va essayer de suivre les matchs ou faire des débriefs et des émissions donc euh, oui on, on travaille là-dessus Mikey, tu me dis, on avait potentiellement 8 titulaires à l'entraînement, n'est-ce pas révélateur de notre niveau et les désillusions récentes euh, Alors attends, on avait potentiellement 8 titulaires à l'entraînement, qu'est-ce que tu veux dire par là Précise, parce que je ne vois, vois pas exactement... C'est quoi le thème de, 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 de quoi tu parles hum... Nvidia, tu me dis « As-tu suivi le rugby et l'enfumage arbitral On dirait l'OM arbitré. » Alors, euh, Nvidia, oui, j'ai été très déçu. J'ai suivi ce match. Fait peut une petite parenthèse rugby. Euh, oui, l'arbitrage est critiquable, notamment euh, sur des faits de jeu très précis. Euh, la transformation du deuxième essai, on voit très bien qu'il part avant. ça n'a pas été vérifié, c'est dommage. Mais d'un autre côté, euh, même s'il y a eu effectivement un arbitrage particulier... J'ai envie de dire, pour ceux qui suivent un peu le rugby, euh, les Sud-Africains, ils sont toujours à la limite. Des, ils font beaucoup de fautes. Ils sont toujours à la limite de la faute. Ils, ils cherchent tout le temps en permanence. Ils jouent beaucoup sur leur physique. Et malheureusement, euh, ils ne sont pas toujours sanctionnés. Et c'est pas uniquement face aux Français. Donc, on le savait avant le match, ce genre de choses. On sait qu'ils qu allaient tout le temps être à la limite. Qu'ils allaient parfois se faire sanctionner et que parfois ça allait passer comme ça s'est passé. Euh, je trouve que les Français ont été trop légers sur les ballons aériens. Le, le staff sud-africain avait bien étudié cette faiblesse et on l'a bien vu avec Ramos et le petit jeune de, de l'UBB, la qui, euh, qui ont pris l'eau clairement sur ces, sur ces phases-là. Et euh, ils ont réussi leur coup. Les, les, ils ont eu une réussite maximale euh, l'Afrique du Sud. Et toi, tu n'as pas réussi à faire ce qu'il fallait. Je pense que tu peux aussi t'en prendre à toi-même. Voilà pour cette parenthèse. Euh, L'opsi, tu demandes si j'ai de nouvelles des trois télés, ben, euh, tu sais que ça va se faire de gré à gré euh, donc ça va se discuter avec chaque, euh, chaque entité qui a envie de les, euh, de les diffuser RMC euh, sous-entendait bah, que c'était ce que voulait faire la brune depuis le début, donc on va voir mais euh, le milliard à mon avis, ça va être compliqué euh, Kit, tu me dis Foot Mercato a fait un article sur nos joueurs prêtés et euh, je peux te dire quitte que nous avons fait un article sur les joueurs prêtés il y a déjà 4-5 jours et depuis d'autres euh, sites on en fait mais on, nous ça fait 4-5 jours qu'on l'a fait on a fait un petit point je crois que c'était en, en milieu de semaine dernière sur les joueurs prêtés et effectivement il y a des joueurs à la ramasse comme, euh, comme Amavi et Lirola qui n'ont pas joué il euh, y a Luis Enrique qui, qui est sur une tendance à ne pas atteindre son temps euh, suffisant pour revenir, euh, pardon, pour lever l'option d'achat et donc qui pourrait revenir. Il euh, y, hum, y, a, y a les joueurs qui doivent qui sont prêtés mais qui devraient rester dans leur club, euh, à savoir Malinowski et Gendouzi. Euh, voilà. Donc on, on a fait cet article là sur le site, donc pas besoin d'aller sur Foot Mercato, c'est déjà chez nous. Euh, TPR tu dis, Nico, en gros, pas assez d'internationaux titulaires dans leur nation, si j'ai bien compris ah ok ok, d'accord, tu parlais des internationaux euh, mais il euh, y avait quand même des titulaires Klos titulaire, je crois que Sar était titulaire et India était un, était un habituel titulaire euh, qui y avait d'autres Mbemba était un titulaire indiscutable euh, je pense que Harit et Unai sont quand même des titulaires, même s'ils n'ont pas forcément fait un match exceptionnel la dernière fois. Je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. J'ai pas l'impression que les internationaux sont vraiment tous des remplaçants. Je dirais que c'est une majorité de titulaires quand même. C'est un peu ça, Rapace. Moi aussi, j'ai dégoûté Nvidia, mais voilà, c'est comme ça. Dommage. Fin de Coupe du Monde, j'espère que les All Blacks vont la remporter, cette Coupe du Monde. Euh, pas les Anglais, pas les Sudaf, euh, pas les Argentins. Donc, euh, par élimination, forcément, j'aime beaucoup euh, le jeu proposé par les All Blacks. Donc, il euh, n'y a pas photo pour moi. Allez, fin de la parenthèse rugby. nous reste encore euh, une petite demi-heure pour euh, parler de, de cet OM. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh... Oui, oui, j'ai compris, euh, TPR. Les huit à l'entraînement, j'ai compris. Non, non, je sais, je sais. Mais c'est pour ça que moi, j'y ai répondu d'ailleurs, ce que je te disais. Je pense que la majorité des internationaux sont quand même, euh, même euh, titulaires dans leur pays, majoritairement. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'OM euh, Je m'étais dit, il faudra qu'on parle de ça. Et je, ça ne me vient pas comme ça. Euh, oui, bah, en, oui, on en parlait il y a deux secondes, là, des joueurs prêtés. Euh, Est-ce que Luis Enrique va revenir C'est une une possibilité, il a pour l'instant je crois qu'il a 41% de, de minutes et il doit dépasser les 50 pour que l'option d'achat soit, soit, soit levée, donc il n'y est pas encore euh, ouais, la petite info du jour parce qu'il n'y en a pas beaucoup euh, c'est Rudy Buquet qui sera l'arbitre le, le, de de Nice OM alors Rudy Buquet, j'ai regardé les stats euh, avant 2021, c'est l'arbitre carnage, euh, les défaites face à Lyon, hein, rigole, les cartons dans tous les sens. Et depuis 2021, franchement, mis à part la défaite en Coupe de France face à Nice, justement, il euh, y a zéro défaite. Il n'y a que des matchs nuls et des victoires. Mais tu as joué contre des équipes un peu moins grosses, faut dire la vérité. Donc euh, je sais qu'il y a certains arbitres, c'est quand même assez la poisse. Là, en termes de résultats, c'est moins la poisse qu'avant. Pour ceux qui sont un peu superstitieux. Salut Chris, bienvenue. Euh, Dervé, tu dis Kondo, Gay, Harit, on n'a pas eu ça depuis Gustavo Anguissa. C'est vrai que Kondo s'il retrouve son niveau avec Gay, s'il affiche le même niveau qu'il a affiché à l'entraînement en, en début de saison, et Harit, ça peut être un trio sympa au mieux terme. Euh, Bubzin, euh, gay, je crois que c'est fin novembre. Je ne sais plus la date exacte du retour de gay, c'est une bonne question. Euh, je vais regarder ça direct. C'est une suspension de 4 mois. Alors est-ce que c'était à partir du 1er août euh... Euh, Je ne sais pas exactement. Je dirais c'est peut-être début décembre alors. En tout cas, il va falloir qu'il prolonge notre ami pape Gay hein, parce qu'il sera libre en, en juin 2024. Ouais, c'est fin novembre, début décembre, hein, je crois, a priori. 7 décembre, fin de suspension pour Gay, selon Transfermarkt. Ok, merci Kit pour l'info. À vérifier quand même, euh, je ne suis pas sûr à 100% que ce soit ça, mais ça peut correspondre au premier match officiel de l'OM cette saison qui était le 7 ou 8 août. Donc c'est peut-être ça, oui. Euh, Matinino, tu dis euh, « Depuis Maxime Lopez et Camara, pourquoi il n'y a pas un jeune crack qui arrive à être titulaire ?» Eh ouais, parce que euh, bah déjà, tu ne construis pas tes effectifs pour laisser de la place euh, à des jeunes. Et euh, pour l'instant, est-ce qu'il y a suffisamment... Est-ce qu'il y a un jeune vraiment qui a un talent suffisant pour être titulaire en Ligue 1 C'est peut-être qu'il n'y en a pas aussi. Euh, T'en sors pas tous les dents. Euh, ton sort de formation, il n'est pas assez performant par rapport à ça. Contrairement à des, des clubs comme Rennes... Euh... Voir Monaco ou Lyon. Alors, Rapace se dit Rien à voir avec l'OM, j'ai hâte ce soir. Italie-Angleterre, j'aime bien Spaghetti. Ah ouais, c'est un match sympa, puis c'est un match important. Bah, c'est sûr que si je devais regarder un match ce soir, je regarderais celui-là, je ne regarderais pas France-Écosse, euh, euh, match amical qui n'a aucun intérêt. Si ce n'est pour voir un petit peu euh, notre ami Clos qui devrait être titulaire. Euh... TPR, tu dis « Rennes lâche un tel qui ne jouait pas forcément beaucoup et fait un sacré début de saison au Bayern. Après euh, le jeune Tell, il, était, il est très jeune déjà. Il jouait pas beaucoup parce qu'il était encore beaucoup avec la réserve du stade rennais. Et même s'il fait un gros début de saison euh, au, au Bayern, au Bayern il est remplaçant. Hein. Il joue des fins de match, hein. il joue des 20 minutes, des trucs comme ça. Hein. Donc euh, voilà. C'est-à-dire qu'un méga club est venu chercher euh, une pépite pour la payer un peu moins cher et la faire grandir euh, dans son club. Mais c'est un remplaçant, ce qui est normal euh, vu son âge. Même s'il a du talent, euh, s'imposer comme titulaire au Bayern, ça se fait pas comme ça. OK. OM-OTA, c'est bien ça. Suspension de Gueye à partir du premier match officiel. Donc c'est ça, ça devrait être le 7 ou le 8 décembre, donc la fin de la suspension. Euh, on peut regarder ensemble si vous voulez, du coup, à partir de quel match on devrait revoir notre ami gay, Décembre, il décembre, y a un match, il y a un Lorient OM le 10 décembre. C'est pas encore complètement validé parce que la télé n'y a pas mis son nez. Mais il devrait donc être de retour pour ce match-là. Après, il y a Brighton OM. D'ailleurs, je ferai le déplacement avec Mourad à Brighton. Il euh, y a un OM Clermont. Et le dernier match de l'année 2023, ça sera un Montpellier OM euh, vers, le 20, vers le 20 décembre. Donc il pourra déjà potentiellement participer à ces quatre matchs-là de fin de saison. Et euh, s'il est performant, il pourrait se retrouver à La Cannes avec le Sénégal aussi. Oui, mais il lui laisse du temps de jeu malgré qu'il soit jeune. Pourtant, c'est une institution. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, nous, le truc qu'il y a, c'est euh, déjà, est-ce qu'on a un talent du niveau de tel On peut se poser la question. Euh... Et c'est vrai que même si Marcelino avait donné un peu de temps de jeu, les... que ce soit Soglo ou Muguet, il y a des qualités, mais tu sens que euh, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment costaud pour être titulaire en Ligue 1. C'est ça, besoin je suis d'accord avec toi, il a beaucoup de talent, tel, c'est pas, pas un joueur lambda, quoi. Euh, Enzo Sternal serait convoqué avec les U19. Ah, j'ai pas eu passer cette info kit, mais euh, c'est un des talents de. Oui, mais Enzo Sternal, il avait un problème avec cette histoire de, de t-shirt. Comment créer des problèmes? Euh, donc euh, ouais c'est possible, je sais pas, pas vu, j'ai pas vu passer cette info, donc si quelqu'un d'autre l'a vu, je veux bien, euh, vu que là, j'ai encore 10 grosses minutes de, de live. Matinino, tu dis, Gattuso a dit qu'on était juste physiquement et que Marcelino a fait du mauvais travail, en gros, tu es d'accord avec lui euh, Alors, il n'a pas dit exactement ça, il a dit que la préparation physique de Marcelino ne convenait pas à ce que lui, il attend des joueurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils euh, se demandaient si le jeu proposé par Marcelino euh, faisait qu'ils avaient fait une préparation physique euh, un peu plus sur le long terme, avec une montée en puissance plus lente, alors que lui, il attend beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pressing. On a bien vu que Marcelino, c'était quand même un 4-4-2 ou un 4-2-4 euh, assez attentiste, avec euh, un groupe, un bloc euh, assez bas, donc peut-être moins de courses, moins de pressing. En tout cas, ça, on l'a vu sur le terrain. Et vu que... Euh, euh, notre ami euh, Gattuso lui il attend beaucoup plus de pressing, beaucoup plus de mouvements, de courses, etc. Il veut des joueurs qui soient beaucoup plus euh, préparés physiquement. Donc c'est une préparation euh, différente. En tout cas c'est ce qu'il a dit pour pas trop écorner euh, notre ami Marcelino. Mais dire, même avant que Marcelino claque pas la, la porte, euh, on, tout le monde se faisait, le, 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 tout le monde voyait bien qu'il y avait un problème physique. Euh, les, les deuxièmes mi-temps de, de, de l'OM c'était compliqué, des joueurs qui avaient des crampes enfin, on voyait bien que physiquement ils n'étaient pas bien donc euh, lui il a été un peu diplomate mais on peut vraiment se poser des questions sur la préparation physique effectivement euh, faite par, par le staff de Marseille pères tu dis euh, il faut que les scouts pour recruter pas faire que du commissionnement il faut penser à l'avenir Quitte à mettre le prix, même si euh, foiré, généralement la cote reste correcte. Ouais, ouais, mais tu sais, euh, je suis d'accord avec toi. Après, il faut, euh, il faut effectivement, faut avoir des scouts. Il faut surveiller euh, dans les petites divisions aussi, dans les plus petites divisions nationales, en en Ligue 2, tu peux trouver des, des jeunes talents euh, à l'étranger dans certains championnats qui sont un peu moins scrutés, même si maintenant plus ça va, plus c'est scruté de partout. Mais il y a des coups à faire. Par exemple, l'exemple que je donne souvent. C'est euh, en Amérique du Sud. As, bien sûr, tu as tout le temps les Brésiliens, euh, les, euh, les Argentins, voire les, les Colombiens qui ont une grosse cote et qui, qui coûtent assez cher, même si les Colombiens, c'est un peu moins. Mais tu vois, tu as des Uruguayens, euh, des, euh, des Vénézuéliens, des Costa où ça va coûter un peu moins cher, beaucoup moins cher même. Et tu peux trouver du, du talent là-bas aussi, mais il faut prendre un peu de risque, il faut avoir des réseaux, et ça, c'est des choses qui se mettent en place, qu'il faut mettre en place. Même du, même, des, même du côté des championnats asiatiques, effectivement. Quand tu vois le nombre de bons joueurs euh, euh, japonais, et même sud-coréens, qui débarquent en Europe et qui sont vraiment très intéressants, il euh, y, y a des choses à faire. Euh, salut, Thurs, Bonjour à toi. Et bien sûr, à euh, euh, Ced, tu dis, salut à tous. Petite question, savez-vous où en est l'histoire entre... Euh, PL, sa plainte et les supporters. Euh, a priori, il a porté plainte, Pablo Longoria. C'est ce qui a été dit par l'équipe. La plainte a été posée, mais pour l'instant, il n'y a pas plus de d'histoire que ça. Le TPR, tu dis Un canté sort de Boulogne, Giroud de Tours, il y a Ribéry, Valbuena qui sont passés par l'OM. Eh oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que tu ne peux, euh, peux pas faire uniquement ton, ton recrutement en National 1 ou en. en, en, en... En seconde division, mais il euh, y a, des, y a des, des joueurs à prendre. Puis euh, tout à l'heure, on parlait un peu de rugby, tu vois. Euh, euh, le Stade Toulousain en rugby, qui est la plus grosse équipe de, en France, n'hésite pas à aller piocher des, des joueurs en seconde division. Ils ont, mais en plus, ils en ont pris trois ou quatre ces dernières années. Donc euh, je pense que dans le football, c'est pareil. Tu peux prendre, pas autant, mais tu peux prendre. Un, euh, un ou deux joueurs de temps en temps en seconde division, tu les paieras moins cher et tu as du développement derrière, mais c'est des paris euh, qui peuvent être payants. Euh, Matinino, tu dis ça nous va bien, ça devrait être l'identité de l'OM, le pressing, et recruter que des coachs sur la même philosophie de jeu, sinon après les joueurs sont perdus. Euh, de recommencer chaque saison le style de jeu et de compos. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, après, c'est difficile d'avoir exactement le même style de jeu. On a bien vu, par exemple, sans Paoli, il y avait du pressing, mais c'était une équipe qui aimait surtout avoir la balle. Euh, Tudor n'était pas euh, un ayatollah de la possession de balle, mais par contre voulait un énorme pressing. Euh, je pense que ces deux coachs étaient différents, mais apportaient des choses intéressantes. Alors que Marcelino... Je ne dis pas que c'est un mauvais coach, c'est sûrement un très bon coach en Espagne, mais sa philosophie de jeu ne correspond pas du tout à l'OM. Et je pense que, je pense que ça, c'est une erreur de Longoria. Longoria s'est trompé, et, il ne s'est pas rendu compte que le, que le style de jeu et le, le style même, le style tout court de Marcelino ne correspondait pas du tout au club. Euh, je pense que c'est une énorme erreur. Euh, alors certes, il n'est pas resté longtemps et... Euh, euh, est-ce qu'il a profité de cette situation particulière avec cette réunion pour moi qui était un peu montée en épingle je dis pas qu avait, que c'est bien ce qui s'est passé mais j'ai l'impression que c'était un peu un prétexte aussi pour essayer de cacher la crise sportive qui couvait euh, Marcelino c'était vraiment une erreur de casting et ça c'est une erreur de Longoria je, il s'en était très bien sorti avec Sampaoli et, et, euh, et Tudor comme ça, j'ai l'impression que Gattuso, ça peut le faire. On verra, il hein, faut, faut attendre. Euh, il s'est trompé, après on peut tous se tromper. Et tant que tu rectifies derrière, c'est ça le plus important. Le 10 du stade de Lavallois est plutôt bon, soit dit en passant. Ben voilà, besoin, petit bon plan Mercato. Euh, c'est la sortie d'Otero est assez assassine envers les jeunes, jeunes, euh, envers, envers les jeunes Marseillais, pardon ça risque de twister une nouvelle fois avec les supporters. Ah, c'est vrai qu'il n'est ben, pas connu pour être de... tendre, notre ami Otero. Euh, il, est... il est connu pour être un bon technicien, mais un mec un peu sa... euh, sanglant en termes de choix. Il ne va pas être de la cuillère, effectivement. Maintenant, à voir si ça va payer et si, effectivement, euh, euh, l'élite, ça passe aussi par, euh, par ça. Euh, tu peux pas faire ça dans des clubs vraiment formateurs, euh, machin, mais l'OM... Euh maintenant, il va falloir qu'ils aient, qu aient des jeunes un peu plus performants. Euh, Bubzin se dit, Longoria du se dire qu'un nom suffirait à calmer les ardeurs. Tu parles de Gattuso. Euh, TPR, toi, tu reviens sur les championnats nordiques, ont de bons joueurs de ballon. Euh, L'est également, le Japon, top. Euh, il y a plein il faudrait chercher là-bas. C'est vrai, puis aussi en Afrique, en Amérique du Sud, les pays nordiques, en plus les pays nordiques, des fois, tu as, les, as les, les, les joueurs du CRU, mais tu as aussi des jeunes Africains qui, qui, qui explosent dans les pays nordiques. Après, tu peux, sans aller très loin, tu as la Belgique qui, qui prend des risques sur des, des joueurs qui ont des bons jeunes, des jeunes, des jeunes, des bons jeunes Belges, pardon, mais qui ont aussi des des jeunes joueurs étrangers, des sud-américains qui performent dans le championnat belge là, là aussi t'as des coups à, à faire euh, Matinino tu me dis blague à part tu penses que Longoria et Marcelino sont encore amis c'est ce que dit Marcelino et euh, je peux vous dire de source sûre que euh, Marcelino n'est pas parti directement après avoir euh, quitté l'OM il est resté quelques jours euh, chez lui parce qu'il venait juste d'emménager en fait et euh, on m'a dit que Longoria était, déjà, était passé le voir. Donc euh, ça semble véridique. Euh, ils, euh, ils, a priori, ils ont gardé de, de bons rapports. Bubzin, oui, tu parles de Marcino. Marcelino, ben, c'est un nom, mais. Euh, il était surtout connu pour être euh, le pote de, de Longoria. En, en vrai, s'il a un, un nom en Espagne, en France, euh, personne ne le connaissait vraiment. T'as besoin d'écrire trop vite, euh, Pépère. Tu peux prendre ton temps euh, pour... Euh... Pour écrire... Qu'est-ce que c'est que ça Un moustique. Euh... Allez, 22. Euh... Encore une ou deux questions, les amis. Et, euh... Et je vous laisse, comme d'habitude. Euh... Qu'est-ce que... Alors. Tac, 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 TPR. Je vais avoir ce moustique, je l'ai eu. Désolé. Il y a encore des moustiques. C'était Là, c'est dingue. Exactement, il y a un bon vivier, Belgique, Pays-Bas. Euh, J'irai chercher euh, Myrdink et Poku, vainqueur de la précédente Youth League et classé meilleur buteur. Et 3G pour Poku. Voilà, encore des bons plans, Mercato. Euh, ciao, Kit. Euh, Ango euh, RDC, Angola, début de bientôt. Bon match à toi, Kit. Moi aussi, je vais bientôt devoir vous laisser. Euh, avec Mbemba. Tu nous diras quitte euh, ce match-là, je ne vais pas pouvoir le voir. Euh, oui, je comparais Tudor qui avait été critiqué au début car il n'avait pas de nom. Oui, effectivement. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il euh, faut arrêter de vouloir un nom. Il faut surtout euh, avoir un coach qui a des idées. Et euh, c'est intéressant. On, on voit des jeunes coachs en France comme Will Steele, euh, Lebris, ou euh, même on peut dire que, c est, c est, euh, que euh, notre ami Franck Aize est euh, reste un jeune coach. C'est intéressant. Euh, Baldur, tu dis c'est quoi la position du cl des clubs de supporters pour la suite Il n'y a pas eu de communiqué, c'est bizarre bah, Je pense que euh, ils veulent des, euh, ça va plutôt vers l'apaisement, hein, globalement j'ai l'impression que euh, ça se détend un petit peu. Ils voulaient, ils, veulent, ils voulaient avoir des réponses par rapport à des questions précises sur le centre de formation. Je ne sais pas s'ils les ont eu, mais euh, voilà. Hum, allez, je termine par la blague de Rapace qui dit, tu crois que Garcia peut revenir à Lyon, je pense pas. Je pense pas que Garcia puisse revenir nulle part, en fait. Hum. Euh, merci Matinino. Bonne journée à tous et à tous, à toutes et à tous. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vais juste vous donner rendez-vous pour cette semaine. C'était encore une semaine de, de trêve international. C'était, c'était bien chiant. Euh, mais vu qu'il y a le match Nice OM samedi, on se retrouve jeudi. 17h30 pour un débat foot Marseille. Euh, ça sera avec Ben et ça sera en studio. Euh, on se retrouve forcément euh, samedi soir pour le débrief après le match Nice OM. Et la semaine prochaine, on retrouve nos habitudes euh, de, de semaine normale. Débat foot Marseille le lundi, débat fac avec vous comme ça le mardi. Il y aura un petit débat foot d'avant-match mercredi, le débrief jeudi, encore un petit euh, débat foot d'avant-match. Euh, euh, samedi OM Lyon le débrief dimanche on sera euh, je crois qu'on fera encore beaucoup de vidéos la semaine prochaine mais là tout de suite ça sera euh, sûrement Ryan aussi demain qui fera un petit débat fac et euh, le débat foot Marseille euh, jeudi passez une bonne semaine allez euh, l'OM et on se retrouve euh, bah, très vite euh, merci d'être venu et merci d'avoir été nombreux ciao